Tu sais, on est tellement important pour les suivre de Jésus qu'il a fait que le Saint-Esprit demeure en toi. Qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit puisse travailler à ton intérieur. Et c'est pour cela que la parole d'aujourd'hui s'appelle « L'Esprit te conduira à toute vérité ». Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13. Et nous en parlons, non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Wow. Amen. Combien d'ici, ils sont dirigés, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être vous dites, le pasteur encore, il va parler de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est le gage. C'est l'assurance de notre salut. Amen. Il faut vraiment que on sache de que il faut qu'on marche selon l'Esprit. C'est la troisième semaine qu'on parle de l'Esprit de Dieu, de marcher selon l'Esprit de Dieu. Et tu sais, pour ceux qui sont dans le cours biblique, ils ont vu que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la cicatrice dans l'alliance. Amen, c'est ça? Je me trompe? Non? Alors j'ai eu un point. Alors. Alléluia. Et là, dans l'alliance, il dit, qui peut m'aider? Il fallait échanger la robe, échanger la ceinture. Quoi d'autre? Couper l'alliance, mélanger le sang. Échange de robe, c'était le premier. Échanger, faire une cicatrice, donner les conditions de terme. Si. Faire une cicatrice, waouh! Donner les conditions, termes et alliances, manger un repas mémorial et planter un arbre commémoratif. Ils sont où les étudiants? Ils sont là? Ouais. Mais aujourd'hui, ils ont dit qu'il y avait 9 choses à faire. Mais pour les fruits de l'esprit aussi sont 9. Amen. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Amen. Il y a 9 choses dans une alliance pour faire avec quelqu'un. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit que cette alliance va t'amener aussi à avoir 9 fruits. Qui veut dire que tu as fait cette alliance aussi et que tu cherches à faire cette alliance avec l'Esprit de Dieu. Amen. Vous m'entendez bien? Oui. Ça va? Ok. Alors, l'Esprit de Dieu. Marcher selon l'Esprit va donner des fruits. Ce fruit va montrer que tu marches selon cette alliance. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est ce pacte. L'Esprit de Dieu, c'est le gage. C'est l'assurance de ton salut. Amen. Amen. Et il faut qu'on soit conduit par l'Esprit en tout temps. En toute chose, il faut qu'on soit conduit par le Saint-Esprit. Pour connaître les choses de quoi? Qui nous a donné par grâce. Beaucoup de personnes d'entre nous, on continue à chercher beaucoup de choses. On continue à faire beaucoup de choses. On continue à parler beaucoup de choses qu'on ne doit pas parler. Et beaucoup de personnes, ils ne font pas beaucoup de choses, ils ne parlent pas beaucoup de choses qu'on devrait parler. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'amener à la connaissance
de certaines choses. L'Esprit de Dieu va te révéler certaines choses. Mais beaucoup de personnes, ils font les choses par des sentiments et par la chair. Amen. Amen. Alors, il faut qu'on cherche cette connaissance. Et cette connaissance, on la trouve par l'Esprit, par ceux qui ont reçu l'Esprit de quoi? De Dieu. Combien d'ici, ils ont reçu l'Esprit de Dieu? Amen. Levez la main. Amen. Combien il veut que ça soit en augmentation de votre vie? Amen. Et on est là ça pour ça, pour que ça soit utile dans votre vie. Pour que vous ayez cette soif, cette faim de continuer à quoi? À chercher les choses de l'Esprit. Amen. C'est pour ça que chaque samedi maintenant, le pasteur Carlos, il parle de marcher selon l'Esprit. Pourquoi? Parce que pour l'homme, c'est nécessaire qu'on répète beaucoup de fois les mêmes choses pour que ça rentre. Amen. Et c'est pour cela qu'il faut que toute cette semaine, vous vous rappelez que c'est la troisième fois qu'on vous parle de marcher selon l'Esprit de Dieu. Qu'on soit conduit par l'Esprit de Dieu. Qu'il faut vaincre Amalek, qu'il faut vaincre la chair, mais qu'il faut grandir dans l'Esprit. Amen. Pourquoi? Pour pouvoir connaître celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Celui qui reçoit l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, il peut connaître ce que Dieu il a pour lui par grâce. Amen. Mais beaucoup d'entre nous, on cherche des choses par la vue, parce que ça me plaît, parce que je veux, et parce que moi, et moi, et moi. Mais on ne passe pas ça par le filtre du Saint-Esprit. On ne passe pas ça par le filtre de la parole de l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? On commet beaucoup d'erreurs. Il y en a combien d'ici qui ont commis d'erreurs dans leur vie? Amen, voilà. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas commis des erreurs. C'est bien. Mais on a tous ici commis des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on a agi par notre chair. Et on continue à le faire beaucoup dans notre vie. On se laisse emporter des fois. Des fois, ça ressort notre caractère. Et c'est pour cela que il faut que l'Esprit de Dieu grandisse. Pour que les fruits, les nefs fruits de l'Esprit aussi grandissent dans notre vie. L'amour, la patience, la bénignité, la bonté. Amen. Amen. Commence à grandir dans ta vie. Et quand ça commence à grandir dans ta vie, ça veut dire que tu as passé du temps avec qui? Avec le Saint-Esprit. Amen. Mais je pense qu'ici, on a tous besoin de passer plus de temps avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce qu'on a tous des batailles, on a tous des oppositions. Et des fois, on se laisse emporter. Et on se laisse voler certaines bénédictions. On se laisse voler certaines connaissances. Pourquoi? Parce qu'on agit selon la chair et pas selon l'Esprit de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit au Jean 16, 13, dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Il vous quoi? Conduira. Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Amen. L'Esprit de vérité, il va vous conduire. Amen. L'esprit du monde, pour les personnes qui ne sont pas l'esprit de Dieu, ils sont l'esprit du monde. Et ils ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit parce qu'on parle un autre langage. Amen. Amen. C'est pour ça que même Jésus-Christ, quand l'esprit de Dieu n'avait pas venu, les apôtres, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu a la capacité de parler à ton esprit. Pour que tu puisses comprendre quoi? Les choses de l'esprit. Amen. Et quand tu cherches les choses de l'esprit, ta connaissance de ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie, tu commences à les connaître. Et tu commences à savoir même qui va être ta femme. Ça va te révéler dans ta vie. Et tu sais que cette femme, il faut qu'elle aussi, elle ait cette révélation. Parce que cette femme, elle doit être aussi dans quoi? Dans l'esprit. Dieu ne va pas choisir une femme pour toi, qui est dans l'esprit, qui va te sortir.
du propos de Dieu. Jamais. Jamais. Il va te ramener une femme et il va la préparer. Peut-être cette femme, elle n'est même pas prête pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore en train de marcher selon l'esprit. Elle n'a pas passé du temps avec l'esprit de Dieu. Alors l'homme et la femme, ils ont besoin les deux de quoi? De passer du temps avec qui? Avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand c'est un mariage comme ça, c'est un mariage dans la victoire. C'est un mariage dans le temps de Dieu. Parce que tu as attendu que Dieu fasse les choses. Amen. Et tu t'es pas avancé, toi, à dire, ah, tu es ma femme. Non. Je veux te dire quelque chose. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et lui va préparer toutes les choses que tu as besoin. Amen. Pour ta vie. Amen. 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 Pourquoi? Parce que tu donnes le temps parfait à l'Éternel. Il faut que tu filtres tout par l'Esprit de Dieu. Quand tu reçois quelque chose, un rêve, une vision, avec quelqu'un d'autre, et que peut-être dans ce rêve, il faut que tu lui parles à cette personne. Tu sais, comme Pierre, la parole de Dieu nous dit, que Pierre, en acte 10, 3, dit, que vers la 9e heure du jour, il vit clairement une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui, ça c'est le centurion, et lui dit à Corneille. Il lui parle à Corneille et il lui dit, va voir à qui? À Simon Pierre. Et lui, il envoie tout de suite, dès que la vision part, il envoie deux personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la maison du Pierre? Lui, à ce moment même, la parole déclare que lui, il a eu faim. Et je ne sais pas de quoi tu as faim en ce moment. Je ne sais pas si tu as faim du mariage, je ne sais pas si tu as faim de gagner certaines choses, d'avoir une voiture, une maison, je ne sais pas de quoi tu as faim. Mais tu sais ce qu'il a fait Pierre au moment qu'il a eu faim? Il est parti prier. Parce que toi, tu ne dois pas aller chercher est-ce que tu as faim. Et la parole de Dieu dit que pendant qu'il a prié, on lui préparait à manger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à toi d'aller chercher les choses, mais c'est à Dieu de te préparer les choses. Amen. Alors il a eu faim, mais il n'est pas parti chercher à manger. Il est parti prier. Et la parole de Dieu dit qu'il est tombé dans un extase. Amen. Et qu'il a vu quelque chose quand le ciel est ouvert, qui est tombé. Et là, il a commencé à réfléchir sur cette vision. Il a dit, c'est quoi cette vision? Mais toi, tu trouves un rêve aujourd'hui, une vision, et tu fonces. Mais tu ne pries pas. Tu ne commences pas à réfléchir, c'est quoi cette vision? Pourquoi elle m'a dit ce rêve? Qu'est-ce que j'étais plus dans la chair quand j'ai reçu ce rêve? Est-ce que j'étais plus dans la chair, dans mes impulsions, dans mes émotions? Et j'ai reçu ce rêve parce qu'il y a aussi une partie qui est ce corps. Mais où est-ce que j'étais en prière? J'étais en train de jeûner et j'ai reçu dans l'esprit. Tu me comprends ce que je veux dire ou pas? Amen. Amen. Alors, comment est-ce que tu as reçu cette vision? Comment tu as reçu ce rêve? Est-ce que tu l'as reçu en train de chercher les choses de l'esprit? Amen. Ou est-ce que tu l'as reçu quand tu étais en train de désirer ces choses-là et pas le royaume? Et tu as commencé à désirer ça. À désirer ça, bah, bien sûr, aussi, le naturel, il s'active et il te donne un rêve. Amen. Mais ça ne vient pas de Dieu. Amen. 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 C'est toi qui as décidé ça en tant que cher, en tant que terrenal, en tant que la chose de ce monde. Amen. Amen. Mais comme Pierre, il a commencé à se dire, mais c'est quoi cette vision? Pourquoi je rêvais avec des animaux qui sont impurs? Et en plus, lui m'a dit, mange. Pourquoi cela? Et au même moment, ils sont venus frapper sa porte. Et là, Dieu l'a dit, ouvre et va avec eux sans s'exciter. Amen. Amen. Là, tu sais que ça vient de Dieu. Pourquoi? Parce que Pierre, il n'était pas en train de chercher ce qu'il avait comme faim. Il n'était pas en train de chercher les choses. Mais lui, il était en prière. Et la parole de Dieu dit, le temps pour lui préparer à manger. Et je veux te dire quelque chose. N'importe quoi tu as faim, je veux te dire, on a tous envie de quelque chose. On a tous envie de recevoir un miracle. On a tous envie
de que peut-être arrive ce mari, ces femmes assez vite. Et tu vas l'avoir. Mais reste en prière. Pourquoi? Parce que le temps que tu restes en prière et tu continues à chercher les choses du royaume, Dieu, il est en train de préparer à manger. Amen. Amen. Cela, ça veut dire qu'il est en train de faire pour toi. Et quand tu vas aller manger, tu vas te régaler. Amen. Parce que cela vient de Dieu. Et c'est là, quand ça vient de l'Esprit de Dieu, il y a une chose. Ça va parler dans l'espirituel. Et quand tu connais les choses de l'espirituel, tu sais que c'est conforme à qui? À les choses de l'esprit. Amen. Amen. Deuxièmement, ça va ramener du paix, la paix, shalom dans ta vie. Amen. Amen. Tu vas être tranquille, tu dis, waouh, c'est là, ça vient de qui? De Dieu. Tu es conduit par l'esprit de Dieu. Amen. Je ne sais pas qui Dieu est en train de lui parler. Mais prends ton temps, mon frère, ma soeur. Apprends à réfléchir dans tes visions, dans tes rêves. Est-ce que tu reçois? Et apprends à être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu sais, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il ne va pas juste te révéler à Pierre, à Corneille et pas à Pierre. Ou juste à Pierre et pas à Corneille. Il va envoyer un ange. Amen. Voir Corneille, il va envoyer un ange voir Pierre. Et de la même façon dans ta vie, il va avoir une confirmation. Apprends à lire la parole de Dieu et à demander comme les hommes de Dieu sont demandés. Et tu dois te dire, cette femme ou cet homme, elle doit me dire de cette façon. Et là, Dieu va accomplir des choses dans ta vie. Et tu vas savoir que ça vient de Dieu, sans que toi, tu viennes forcer les choses. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ça peut blesser ton cœur. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il est venu pour détruire, pour voler et pour égorger. Et c'est là, si ça ne vient pas de Dieu, tu vas être déçu et ça va t'écarter de Dieu. Ça va te faire sortir de le but, du propos de Dieu. Et tu ne seras plus conduit par l'Esprit. Tu seras conduit par ta chair, par ta haine, par ta déception. Et tu ne pourras même plus voir cette personne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été sage. Parce que tu n'as pas filtré selon la parole. Parce que tu n'as pas demandé à l'Esprit de Dieu qui t'a conduit à faire les choses en ordre. Amen. 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 Alors, soyez conduit par qui? Amen. Par l'Esprit de Dieu. Parce que lui, il connaît toutes les choses. Il connaît les choses du Père. Et il vient te les révéler à toi. Quand tu es conduit par l'Esprit, même à l'avance, tu sais quand ça vient de Dieu et quand ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Et tu sais, des fois on résiste beaucoup à l'Esprit de Dieu. Parce qu'on est chrétien. Il y a des choses que tu vois venir, que cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te dit, ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est une offerte. Amen. Amen. Et qui n'aime pas ici les offertes? Hein? Alors, des fois, même si ça vient de l'Esprit de Dieu, il te dit non, quand même tu vas. Mais tu sais, tout cela va ramener la tristesse dans ta vie. Pourquoi? Parce que si tu vas en contre de l'Esprit de Dieu, tu n'auras pas des fruits de l'Esprit de Dieu. Mais si tu vas dans le plan et tu es conduit par l'Esprit de Dieu, et tu fais selon l'Esprit de Dieu, ça va ramener un fruit qui s'appelle la joie, Amen. La paix, l'amour dans ta vie. Amen. Amen. Alors, ne sois précipité, mais attends que l'Esprit de Dieu te parle. Amen. Parce que Satan, il veut causer la division entre les frères et les sœurs. Tu sais, c'est ça ce qu'il a voulu faire quand Jésus-Christ, il était à la croix. Et il a voulu qu'on casse ses os. Qui se rappelle de cela? Pourquoi? Parce que lui, il veut diviser le corps de Christ. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vient de parler.
pour que tu sois sage, pour que tu gardes le cœur de ton frère, pour que tu gardes le cœur de ta sœur et tu gardes ton cœur. Sois sage parce que tu peux être blessé. Et c'est l'ennemi qui veut que tu sois blessé. Amen. Mais Dieu veut que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Il veut que tu sois vraiment conduit par le Saint-Esprit de Dieu. En tout moment, tu demandes à l'Esprit de Dieu, est-ce que je viens, est-ce que je ne viens pas? Est-ce que ce rêve vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu? Est-ce que j'ai reçu ce rêve pour lui dire à ma soeur, c'est là, à mon frère, c'est là, ou il faut que je prie pour lui? Des fois, il y a des rêves qu'il ne faut pas les raconter. Mais c'est Dieu qui est en train de te dire, prie. Intercède. Va l'aider. Tu sais, beaucoup de fois on rêve à le frère, avec le frère en train de pécher, et on vient lui dire, toi tu vas pécher. Tu sais, ce frère, il a besoin d'être fortifié. Amen. Parce qu'il est dans un moment de faiblesse. Et tu sais, celui qui se croit saint, qui se sanctifie encore plus. Conduis-te dans un rêve pour un frère ou une soeur qui passe par un moment difficile, c'est pas pour que tu viennes le juger ou faire le tour, mais que tu demandes au Saint-Esprit de te donner des stratégies pour que lui soit levé, pour que lui soit fortifié, pour qu'il ne puisse pas tomber, pour que tu viennes à son aide et que tu l'appelles et tu lui dis comment tu vas. Tu sais, mon frère, tu es un vaillant. Tu sais, quand on est faible, on aime bien qu'on nous dise vaillant. Amen. Quand on est fatigué, on aime bien qu'on lui dise, t'es courageux. Et ça nous motive. Amen. 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 Et c'est ça les paroles qu'on a besoin d'entendre. Quand quelqu'un reçoit un rêve ou quelque chose, c'est pas juste de venir et dire le rêve, pa, et tourner son dos et s'en aller. Parce que là, tu montres qu'en fait, t'as pas d'amour. Que tu veux la puissance, tu veux les rêves, tu veux les visions, mais tu n'as pas d'amour pour agir. Mais l'amour restera pour toujours. Et l'amour dépasse tout autant, tout talent. Et quand tu as cet amour, et que c'est un fruit de l'Esprit de Dieu, et que tu as passé du temps avec l'Esprit de Dieu, et que tu sais que toi-même, tu n'es pas digne de que l'Esprit de Dieu soit avec toi et en toi, comme tu l'as ce soir. Que tu n'es même pas digne de sentir la présence de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu t'accompagne en tout moment. L'Esprit de Dieu, c'était la nuée qui accompagnait le peuple d'Israël et la colonne de feu qui accompagnait le peuple d'Israël. Et le même Esprit, il est là ce soir en train de nous accompagner, de nous consoler. Malgré que tu as fait des erreurs, malgré que tu es tombé, que tu t'es relevé, que lui t'a relevé. Et tu continues là. Et de la même façon, quand tu passes du temps avec l'Esprit de Dieu qui te révèle que même toi, par ta propre force, tu ne serais même pas aujourd'hui debout ici. Que par ta propre force, tu n'aurais pas passé toutes les épreuves que tu as passées. Mais c'est parce que lui, il t'a fortifié, il a été avec toi. Et que quand tu reconnais cela, et que tu sais que sans lui, tu es rien. Quand un frère, il va tomber, il est faible, ou qu'il a péché, et qu'il est culpabilisé, et que peut-être tu as reçu une parole, et que tu une parole de connaissance ou de science, que tu ne viens pas juste déposer cela et tourner le dos, mais que tu viens comme l'Esprit de Dieu fait dans ta vie. Tu sais, aujourd'hui qu'on soit là, c'est même une victoire que l'Esprit de Dieu nous a donnée. Parce que si l'Esprit de Dieu ne serait pas fortifié pour venir ici, chercher, adorer, louer l'Éternel, on sera pas là. On sera en train de donner du plaisir à ce corps qui aime les choses ici. Ce corps, il est fait des mêmes éléments que la terre. Et il restera dans la terre. Il deviendra poussière et il va aimer que les choses de ce monde. Mais l'Esprit de Dieu fortifie l'homme intérieur. L'Esprit de Dieu fait grandir l'homme intérieur qui est en toi. L'Esprit de Dieu te fait grandir dans l'amour, dans la joie, dans la patience, dans la bénignité, dans la bonté. Il te
fait grandir chaque jour dans cela. Tu ne peux pas me dire j'ai grandi dans la puissance, mais ton amour il est petit. Tu ne peux pas me dire j'ai grandi dans la puissance, mais tu n'as pas de patience. Parce que l'Éternel il veut que tu reflètes l'Esprit de Dieu. Là où tu vas, tu représentes l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est en toi. Et que tu donnes cet amour à celui qui en a besoin. Moi, j'en ai eu besoin dans ma vie. Et l'Esprit de Dieu, il utilise les personnes qui sont dans l'Esprit. Il n'utilise pas une personne charnelle. Quand on voit Satan, une personne charnelle, cette personne va finir par te détruire et par t'écarter de la voie. Parce que tu sais qu'il y a des dons. Les dons, il va te parler parce qu'il a un don. Il a reçu quelque chose. Mais quand tu as l'amour, tu vas fortifier cette personne. Tu vas lui donner du don à cette personne. Il va voir en toi Jésus. Il va voir en toi le Saint-Esprit. Et cette personne va se relever. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, c'est nécessaire qu'on soit faible. Beaucoup de fois, c'est nécessaire qu'on tombe. Parce que si on tombe jamais, si on n'est jamais faible, si on n'a jamais les épreuves, on ne peut pas voir cet amour du Saint-Esprit à travers une personne. On ne peut pas voir cet amour du Saint-Esprit qui nous rattrape avec son amour. Et qu'on puisse, je ne peux pas échapper. Combien d'ici savent que pour plus qu'il veut échapper, cet amour le rattrape à chaque fois. Combien ils ont senti déjà ça? Qu'ils ont été fatigués, ils ont voulu s'éloigner. Mais quel amour du Saint-Esprit revient et dit, oh, je ne te lâche pas. Tu as été en bas, dans l'ombre de Valais, l'amour. Mais moi, j'étais avec toi. Je te rattraperai toutes les fois. Et je vais te séduire avec un amour incomparable. L'Esprit de Dieu te parle. Il te dit de la même façon que je fais avec toi. Fais avec cette personne qui est faible. Fais avec cette personne qui a péché. Fais avec cette personne qui s'est écartée du plan de Dieu. Mais toi, là où tu es, lève ta main et dis, aujourd'hui, je suis conduit par l'Esprit. Et si je suis conduit par l'Esprit, je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu. Tu sais, il y a un homme qui s'appelle Philippe. Et Philippe, il était à Samarie et il prêchait Christ. Et il était utilisé d'une manière surnaturelle. Il chassait les démons, les paralytiques, les aveugles, voyaient le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Et il y avait une multitude de personnes. Et tu sais, l'Esprit de Dieu, il est venu lui dire, va à Gaza, va dans le désert de Gaza. Tu sais, et beaucoup de fois, l'Esprit de Dieu, il va nous conduire quelque part, on peut dire, mais ça n'a rien à voir, puisque c'est là que je suis utilisé. Amen. Je suis en train de chasser des démons. Je suis en train de délivrer des personnes. Je suis en train de faire rêver. Oh, l'Esprit de Dieu m'utilise ici à Samarie. Pourquoi je vais aller dans un désert? Amen. Pourquoi je vais aller à Gaza? Moi, je veux rester ici à Samarie. Mais tu sais, Philippe, il s'est laissé conduire par l'Esprit. Et des fois, Dieu ne te demande pas de comprendre, mais de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Dieu ne te demande peut-être pas de que tu puisses comprendre avec tes yeux naturels, mais de que tu sois obéissant. Amen. Et l'Église Jésus, mon refuge, c'est une Église obéissante. Amen. 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 Que même s'il y a des choses qui s'opposent dans notre vie à la chair et qui fait mal. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore comme moi? Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont encore comme moi? Amen.
et quand l'Esprit lui demande quelque chose, ça fait mal ou pas? Amen. Ça fait mal, non? Pourquoi? Parce que la chair s'oppose. Et même Philippe, à ce moment-là, je pense qu'il a eu, mal. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il avait cette compassion pour les âmes. Et il voyait qu'il y avait des personnes qui se baptisent à Samarie. Il y avait des personnes qui donnaient leur vie à Jésus. Vous imaginez la joie à ce moment-là? Qu'on sort ici, je ne sais pas, à Port de Lila, et on commence à prêcher, tout le monde commence à donner leur vie à Jésus, que les paralytiques ils passent, ils commencent à sauter, les aveugles la voix, et que le Saint-Esprit vient te dire, non, il faut que tu vas dans un quartier où il n'y a personne. Tu imagines ça? Et c'est comme ça dans notre vie. Tu sais, des fois tu sens que tout passe bien et que tu es même dans la voie de Dieu. Que tu es en train de faire les choses de Dieu. Que tu es utilisé par Dieu à ce moment-là. Mais tu écoutes que le Saint-Esprit te dit, non, j'ai besoin que tu vas au désert de Gaza. Et beaucoup d'ici seront envoyés au désert de Gaza. Amen. Là où personne ne veut aller. Ah, je sens l'Esprit de Dieu. Yes. Là où personne ne veut aller, tu seras envoyé. Et par ton obéissance, tu ne seras pas seulement envoyé, mais transporté par l'Esprit de Dieu. Par ton obéissance, un homme qui peut changer une nation. Parce qu'il a trouvé l'Éthiopien. Un homme qui allait ramener, pas une parole seulement là, mais il allait la transporter. La parole vivante. La parole qui transforme. Elle n'allait pas rester là, mais elle allait aller en Éthiopie. Amen. Quand tu te laisses transporter par l'Esprit de Dieu. Oh papa. Je sens l'Esprit de Dieu très fort là dans ta vie. Je sens que quelqu'un va prendre cette semence pour lui. Et qui va dire, envoie-moi là où personne ne veut aller. Envoie-moi dans les déserts. Parce que c'est là que la parole de Dieu va prendre. Là où une nation va être transformée par cette parole. Sois comme Philippe. Il n'a pas regardé. Peut-être qu'on nous voit. Non, c'est là. Oh, sautons de joie. Puisque les malades s'élèvent. Puisque les morts ressuscitent. Sautons de joie. Mais bien sûr, il faut sauter de joie. Parce qu'il y a des hommes qui s'est convertis. Mais tu sais, l'Esprit de Dieu. Je vais te dire quelque chose. L'Esprit de Dieu, il n'a pas besoin de toi. Dieu, il continue à être Dieu sans toi. Mais toi, sans l'Esprit de Dieu, tu n'es rien. Amen. Et lui, il peut arrêter d'utiliser, pas d'utiliser à cet endroit, s'il le veut. Tu sais, un jour j'ai appris une prédication, honore la présence de Dieu. Tu sais, pour ceux qui regardent, les études bibliques, je parle beaucoup de l'étude biblique en ce moment. Parce qu'on apprend beaucoup de choses, amen. Et on voit que dans la tombe d'assignation, dans le tabernacle, il y avait le bâton, il y avait les commandements. Amen. Il y avait la main. Et tu sais, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui sont étudiés, qu'est-ce que ça veut dire tabernacle? Lieu d'habitation. Habitation, voilà, il y a des étudiants là. Lieu d'habitation. Tu sais, avant c'était là le lieu d'habitation de la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, son lieu d'habitation, 6 jours, Dieu il a fait toutes les choses. Au 7e jour, il s'est reposé parce que maintenant, le lieu d'habitation du Saint-Esprit, c'est toi. Amen. Amen. C'est pauvre, c'est amen. 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 Tu es le lieu d'habitation de l'Éternel. Amen. La présence de l'Éternel demeure dans ta vie maintenant. Amen. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Et tu écoutes la voix de l'Éternel. Amen. Et tu me dis amen. Non, 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 dis amen, s'il te plaît. Amen. Honore la présence.
Saint-Esprit. Parce que Emmanuel habite en toi. Écoute la voix du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de toi. Mais aujourd'hui, son amour est révélé pour ta vie. Autant que si même tu veux sortir de lui, la parole de Dieu qui dit, qu'est-ce qu'il dit? Qui peut m'aider là? Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Qu'il va clamer des soupirs, on dit des soupirs? Inexprimables. Il fait la pour toi. Et il n'a pas besoin de toi, mais lui est de l'amour. Et ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, toute la nation verra cette lumière, cet amour. Amen. Faites comme Philippe, laissez-vous conduire. Conduire par l'Esprit de Dieu. Élie, Dieu lui a donné une parole. Il a été obéissant. Et il est parti boire de l'eau dans un petit, comment on dit, arroyo, dans une petite rivière. Ruisseau. Ah voilà, ruisseau. Voilà, amen. Et là, il a bu par une parole. Il dit que ce ruisseau, il était en face du Jourdain. Est-ce qu'il n'y avait pas de l'eau là-bas? Oui. Et nous, on aurait dit, non, là-bas, il y a de l'eau, pourquoi je reste là? On va au Jourdain, on va boire là-bas. Mais Dieu l'avait mis là. Malgré la famine, il était alimenté par les corbeaux. Tous parce qu'il a été obéissant. Il s'est laissé conduire par Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, il faut que tu te laisses conduire comme David. David, avant toute bataille, il demandait d'être conduit par Dieu. Il allait et il demandait à l'Éternel. S'il présentait bataille ou s'il présentait pas de bataille, s'il allait contre les Philistins, s'il n'allait pas contre les Philistins, s'il allait chercher quelqu'un ou il n'allait pas chercher quelqu'un. Quand tu as une communion avec l'Esprit de Dieu, tu lui demandes, même quand tu manges, lui dis, waouh, c'est bon, c'est manger. Amen. Parce que lui, il est ton compagnon. Parce que tu as une communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, vraiment, cette parole, ce qu'il faut que toi, tu retiens de cela, c'est que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu en toutes choses. Si tu reçois une vision, tu reçois un rêve, tu reçois une directive, tu écoutes une voix, est-ce que cela vient de l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es fait cette question? Est-ce que tout ce que je suis en train de faire est conduit par l'Esprit? Est-ce que comment je traite ma femme est conduit par l'Esprit? Est-ce que comment je traite mon voisin, c'est conduit par Dieu? Là où j'y vais, est-ce que je suis conduit par l'Esprit? Et cette parole, elle est même pour moi, pour ma vie. Parce que c'est moi le premier à recevoir. Il faut vraiment qu'on commence à marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Il faut vraiment convaincre la chair. Et vous savez que c'est une bataille difficile et dur. Amen. Amen. Mais à chaque fois que vous grandissez dans les fruits de le Saint-Esprit, la chair elle se fait plus petite. Amen. Une fois qu'on délaisse les choses de l'esprit, la vieille nature, elle sort de l'eau. Elle dit, je suis là. Mais lui, il faut qu'il reste dans l'eau tous les jours maintenant. Amen. Amen. Et il faut qu'on soit conduit par l'esprit à chaque fois. On est des personnes qui honore la présence de l'Esprit de Dieu. On est des personnes qui ont conscience que maintenant l'Esprit de Dieu demeure en nous parce que je suis le lieu de habitation de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et avec cela, je veux que tu t'élèves. Et qu'on lève une prière. Tu sais, l'Esprit de Dieu, il est du commencement. Et c'est lui qui ramène l'ordre dans ta vie. C'est lui qui sépare le désordre et il commence à ramener un ordre dans ta vie.
Celui qui sépare les ténèbres et ramène la lumière dans ta vie. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te dit qu'il veut faire une meilleure amitié avec toi. Combien d'ici, il veut que l'Esprit de Dieu soit son meilleur ami. Amen. À partir d'aujourd'hui. Je veux que tu le désires avec ton cœur. Que tu fermes les yeux là où tu es et que tu désires le Saint-Esprit. Parce que lui, c'est le cache, c'est notre assurance. Parce que quand on est dans l'Esprit, il n'y a aucune condamnation pour nous. C'est lui qui nous amène dans le sentier, dans la vérité. C'est lui qui nous amène directement au cœur de papa. C'est lui qui nous amène à la présence, à le lieu très saint, à le saint des saints. Je ne sais pas combien d'ici ils puissent rentrer, accéder à le lieu très saint, mais je veux te dire, l'accès à le lieu très saint. Aujourd'hui, papa, il t'attend. Il te dit, viens, rentre dans ma présence maintenant. Rentre et que maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ, dans ta vie s'active l'homme surnaturel, l'homme intérieur. Qu'aujourd'hui, dans le nom précieux de Jésus-Christ, tu perçois les choses de l'Esprit. La voix de l'Éternel est la plus claire dans ta vie parce que la chair commence à s'éteindre dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tu sais, des fois c'est dur d'entendre la voix de l'Éternel parce que la chair elle est trop présente et les choses de la chair te parlent. Écoute, est-ce que tu as fait ça? Tu as été là, ton boulot, l'autre ne t'a pas regardé bien, cette personne t'a eu, parce que la chair elle parle beaucoup. Mais aujourd'hui, l'homme intérieur commence à grandir et la chair commence à s'éteindre. Et là, quand la chair elle diminue et Jésus-Christ grandit en toi, la voix de l'Éternel se fait plus claire. Je peux l'entendre plus facilement parce que je suis plus dans l'esprit que dans les choses de ce monde, dans les choses terrénales. Alors la voix de l'Éternel te parle ce soir et te dit, ma fille, mon fils, je veux que maintenant tu prennes la décision de marcher selon le royaume. Selon le royaume des cieux. Et que tu abandonnes complètement le royaume des ténèbres. Que tu ne restes pas un pied là-bas et un pied là. Mais qu'aujourd'hui, tu décides d'y rentrer. D'y rentrer par la porte de toi. Que tu décides de rentrer par la porte qui est Jésus-Christ. Et que tu lui dises, aujourd'hui c'est le jour où je prends la décision. Dis-lui là où tu es. Aujourd'hui, je abandonne le royaume des ténèbres. Et je me consacre. J'appartiens complètement au royaume des cieux. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne ce soir.